Salut, salut! On se retrouve ce matin, donc deuxième jour à Bruxelles. Bah, c'était une bonne nuit dans un lit bien moelleux. Honnêtement, le lit il était top. En même temps, c'est un hôtel 5 étoiles, donc heureusement. Je me suis lavée, je me suis maquillée. On dirait pas d'ailleurs, mais hier il faisait une chaleur de fou. Et là, bah, il fait pas une super. Enfin, il a l'air de faire bon, mais il fait pas un grand soleil. Donc, on verra. En même temps, il est que 9h. J'ai oublié hier de vous le montrer. Chez Primark, j'avais trouvé ça aussi. Pour les fans de pins et tout, là, je les ai trouvés à 2 euros au lieu de 4 euros parce qu'il en manque un, mais j'ai trouvé trop sympa. Donc je les ai pris. Et je suis allée à V2, à Lille, près de Lille, à Villeneuve-d'Ascq, au palais d'été. Et j'ai découvert des super thés. Donc si vous êtes fan de thé ou d'infusion, etc., n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est super sympa. Et j'ai pris deux infusions que j'ai goûtées chez ma copine Yasmine, qui m'a du coup influencé. Je suis en train de faire tout tomber. Bon, c'est pas grave. Donc j'ai acheté le thé jardin à la française, qui est une infusion de poire et de feuilles de mûrier. Ça sentait trop, trop, trop bon. C'était juste divin. Et du coup, vous pouvez acheter en sachet ou en boîte. En boîte, ça coûte 13 euros, je crois, ou 12, 13 euros. Et en sachet, ça coûte 8 euros. 8,50, je crois, ou 7,50. Enfin, autour de 8 euros. Et du coup, bah, ça vaut plus le coup. Et le deuxième paquet que j'ai acheté. Le deuxième paquet que j'ai acheté, c'est Jardin Tropical, infusion de fruits exotiques avec de la mangue, de l'ananas, etc. Juste trop bon. Trop bon, trop bon, trop bon. Donc si vous ne connaissez pas, je vous les conseille. Bon, on se retrouve tout à l'heure au petit déjeuner. C'est ça mon chéri, en Belgique, donc une structure qui est juste derrière moi. Regardez-moi ça. On est venu la visite, enfin la visite, on l'a pas visité à l'intérieur, mais on le fera la prochaine fois parce que Bruxelles ça reste très abordable au niveau de la distance. Et du coup là on a fini notre petit tour à Bruxelles et on va aller faire un tour à Menin, près de la frontière lilloise, enfin l'île belge quoi. Et du coup bah voilà, je vous retrouverai là-bas, on va aller acheter quelques petits trucs là-bas. C'est marrant des fois. Hey, je suis de retour à la maison. On a fait bonne route et pendant la route du coup de retour, j'ai fini de lire ce livre-là et n'hésitez pas à me dire ça en commentaire, mais hashtag boulet, j'ai quand même lu le mois d'avril. Mais je me suis rendu compte pendant ma lecture que j'avais pas lu le mois de mars. Parce qu'elle parlait de quelqu'un là, l'héroïne, et je me suis dit, mais ça me dit rien cette histoire. Non mais, je m'épuise moi-même, je m'épuise moi-même. Donc bref, je lirai le mois de mars après, c'est pas grave, et le mois de mai après. Mais bon, ça change pas grand-chose, puisque en fait tous les mois c'est comme une nouvelle histoire, donc... Le plus important c'est de lire le début pour comprendre un peu, mais voilà, il est très très bien celui-là, j'ai beaucoup aimé, mais du coup je vais lire le mot de mars après. Hein. Ensuite j'ai reçu dans ma boîte aux lettres des petits colis, donc je vais les ouvrir là puisque ben, je viens de les recevoir là. On va commencer par le premier, donc je les ai juste ouverts, je viens de voir que c'est un produit de chez Garnier, je pense que c'est une crème de douche. C'est un gel douche, pardon, ultra doux, douche soin de chez Garnier à la figue orientale et au sucre doré. Le packaging est super joli, cette couleur verte là, ça donne envie de fraîcheur. Ah, l'odeur est super douce, c'est ouais, c'est hyper doux, c'est hyper sympa. Voilà,
super agréable. Ça, comment vous dire, ça a l'odeur de la figue, mais vraiment légère. Hein, ne vous attendez pas à une odeur de figue hyper prononcée. C'est hyper léger, oriental, parce que c'est... Ouais, c'est vrai que ça fait un petit côté orient, épicé, mais léger, léger. Je vous assure que ça va être parfait. Là, il fait 30 degrés dehors. Ça va être parfait pour la douche tout à l'heure, là. Et ça va rafraîchir, je pense, super bien. Donc, hydrate et détoxifie. Et c'est pour les adultes et les enfants, sans parabènes, aux extraits naturels. Bah, j'ai hâte de l'utiliser, donc je vais le mettre dans ma salle de bain. Et j'en ai un deuxième pour vous le faire gagner sur Instagram. Je vous le mets là. Voilà le deuxième, hein, j'en ai deux. Donc le deuxième il est pour vous et on se rejoint sur Instagram pour le gagner. Et le deuxième paquet, c'est un lot de pinceaux de chez Sephora. Un set de pinceaux Smoky Eyes avec 4 pinceaux à l'intérieur. Et une petite trousse pour les ranger, donc c'est super cool. Ils ont l'air plutôt pas mal. Voyons voir la douceur et tout. Alors j'aime beaucoup les pinceaux Geofil comme ça de chez L'Oréal. L'Oréal, n'importe quoi, bon. De chez Sephora, j'ai déjà les pinceaux teints Duofib avec comme ça les deux couleurs. Je les aime beaucoup, ce sont mes préférés. Donc là on a un estompeur de précision, un creux de paupière, un paupière poudre et un paupière estompeur. Et ils nous disent dans l'ordre de les utiliser. Ça c'est cool, d'ailleurs il y a la petite notice derrière pour les utiliser. Si je vous mets à l'endroit ça serait mieux. Donc ça c'est cool, en revanche j'aurais bien aimé avoir un petit pinceau biseauté. Parce que je trouve que c'est hyper important dans un set de pinceaux d'avoir un petit pinceau biseauté. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, mais ils sont très très sympas, honnêtement qualité top. Hein. Et la trousse elle a l'air top 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 aussi. Et ensuite j'ai reçu 3 produits de L'Oréal. Mais pourquoi j'ai envie de dire L'Oréal aujourd'hui? 3 vêtements de chez La Redoute. C'est la première fois que je passais une commande La Redoute. J'ai reçu 3 vêtements de top top qualité. En revanche, le problème avec La Redoute, c'est que quand on commande en ligne, c'est moi le problème avec, enfin pas La Redoute, avec les commandes en ligne, c'est que des fois on se dit tiens sur l'image ça a l'air sympa et ça rend peut-être pas bien sur nous, comme on peut pas essayer. Et dans l'autre sens aussi, c'est-à-dire sur l'image on dit oh c'est bizarre et en fait sur nous ça rend super bien. C'est un peu le truc négatif des commandes en ligne comme ça. Et du coup j'ai commandé 3 produits. J'ai commandé tout d'abord un joli foulard parce que je suis fan de foulard. Même s'il fait 30 degrés dehors, dès qu'il commence à faire 20 degrés, dès que ça retombe, en fait même le soir d'été, les soirs d'été, je mets toujours un foulard dans mon sac avec moi. J'ai toujours un foulard sur moi. Donc voilà le foulard que j'ai commandé. Il est sublimissime, j'adore les couleurs. Dans les bleus comme ça avec un peu de beige. Des petits pompons bleus et beige aussi. Beige blanc nacré un petit peu. Il est trop beau je trouve. Et j'adore. La matière elle est super douce. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais je crois qu'il va aller 11 € ou quelque chose comme ça. Mais je trouve trop beau. La qualité est dingue pour 11 €. Je le trouve parfait. Et voilà pour les soirs d'été ou même pendant l'automne. Hein, il va être très très bien. Et il me fait un très beau teint. La fille qui s'envoie des fleurs. Bref vous allez voir que ma sélection elle est que dans les bleus. Ensuite j'ai pris une veste, je vais essayer de vous la montrer après sur moi. Mais alors je la trouve bizarre en fait sur moi, je sais pas comment vous dire. Oh, je vais peut-être garder le foulard pour vous... Oh non, pour vous montrer la veste, il faut peut-être que j'enlève le foulard parce qu'elle a un haut assez particulier. C'est une sorte de veste un peu kimono. Et du coup je sais pas, j'adhère pas avec le haut en fait, le haut comme ça. Je trouve que sur moi ça fait bizarre. En revanche elle est hyper bien. C'est une taille 46, alors je l'ai pris un peu large parce que je me suis dit que je voulais que ça rentre au niveau de mes hanches. Puisqu'elle descend à peu près en mi-fesse, ou en dessous de les fesses. Et vous avez une petite anse là pour serrer autour de la taille. Vous avez des poches. Enfin, je vais vous la montrer sur moi parce que sinon ça c'est dur hein, de voir comme ça. Voici le haut, je sais pas ce que vous allez en penser, je trouve que ça fait un peu bizarre à ce niveau là. Et voilà, vous le cintrez à la taille, vous faites comme vous voulez, vous avez des petites poches là. Mais je vous avoue que je suis pas fan de ça en fait, du haut là. Je sais pas, j'arrive pas à adhérer, je sais pas comment vraiment le porter. Si vous avez des idées, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Mais je suis pas hyper fan de la façon... Je sais pas, alors sur le site je trouvais ça super sympa, mais après sur moi je sais pas, c'est le problème avec les commandes en ligne. Et la dernière chose que j'ai commandée, elle est là, c'est une jolie robe. Et pareil sur le site j'étais pas très convaincue, je me dis oh peut-être ça va pas m'aller, ça va pas aller à ma morphologie, et en fait c'est plutôt sympa. En revanche je la voyais hyper transparente, et là
Il s'agit d'une superbe robe comme ça et elle est hyper épaisse, une matière coton comme ça, super qualitatif. Elle est trop trop jolie. Et pareil sur moi, alors là cette fois-ci je l'ai pris en 48 parce que je la voulais un peu loose pour qu'elle descende un peu bas au niveau des... Un peu en dessous des fesses, je voulais pas que ça remonte trop. Et je voulais la mettre en fait l'été, les soirs d'été, etc. Je trouvais qu'après une journée de piscine ou de plage, et ben, je trouvais que c'était sympa de mettre ça sur soi. Donc vous voyez, elle a un petit haut comme ceci. Elle a les manches 3 quarts. Et elle est resserrée en dessous la taille en fait, au niveau des... En dessous les hanches, je sais pas comment vous dire. Vous voyez, elle est resserrée à ce niveau-là, donc en dessous mes hanches. Et elle arrive à peu près aux genoux. Donc elle est super jolie, je vous mettrai peut-être une photo du site La Redoute pour que ça vous fasse, vous vous rendiez compte. Donc voilà mes trois petites trouvailles sur le site La Redoute. Je suis plutôt conquise par la qualité des vêtements La Redoute. En revanche la veste, je sais pas trop comment la sortir encore, je sais pas. Faut que je vois. N'hésitez pas à me dire, alors vous avez été déjà nombreuses à me dire que vous vouliez un lookbook. Je suis pas encore hyper à l'aise avec ça parce que je sais pas comment m'organiser pour le mettre en place. Mais sinon j'essaierai de faire des petites photos et de vous les mettre sur Instagram et Facebook. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux là pour voir un peu mes looks entre guillemets. Mais ça j'essaierai de le faire en tout cas pour que vous voyez ça sur moi. Mais je suis vraiment contente de cette petite commande. Voilà. Donc, voilà, ce vlog est fini. Je vais m'arrêter là parce que je vais maintenant aller faire le repas du soir. Et puis voilà, c'est fini cette journée. J'ai passé un très très bon week-end. J'espère que vous aussi. Je souhaite encore une fois un très très bon ramadan à toutes celles qui sont musulmanes et musulmans. Puisque c'était le début du ramadan. Je sais que c'est une période qui n'est pas facile, surtout avec cette chaleur et les horaires qui sont pas faciles du tout. Mais voilà, je souhaite à... Je donne tout mon courage à toutes ces personnes-là et je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très très vite. Salut, salut.